quelques jours, Julie, vous avez fait la une, justement, puisqu'en tant que leader en France de l'apprentissage des langues avec OliOli, vous avez été racheté 3,6 millions d'euros par Albert Group, objectif affiché du groupe suédois, devenir le leader européen de l'EdTech. C'est une forme de concentration et surtout, tiens, de consécration pour vous. Bonjour à tous. Alors, en effet, ce rachat pour nous, ça a été la possibilité de permettre à notre société de continuer à se développer, puisque nous étions en 2022 en plein roadshow. Et c'est vrai que cette possibilité de revendre l'entreprise n'avait absolument pas été abordée. Et quand elle était, on s'est retrouvé avec trois propositions de rachat entre les mains. On s'est dit que finalement, avec un marché plutôt impacté économiquement parlant et avec des fonds d'investissement plutôt réticents à investir sur le marché de l'EdTech, on s'est dit que finalement un adossement pourrait être l'opportunité pour nous de poursuivre la roadmap qu'on s'était fixée, à savoir devenir leader européen rapidement, puis leader mondial, puisqu'aujourd'hui on a un produit qui en quelques années a réussi à acquérir plus de 16 000 abonnés payants, avec seulement une levée qui était aux alentours de 450 000 euros. Donc c'est vrai qu'il y a un gros potentiel de développement avec notre produit, et le fait d'avoir choisi un partenaire qui va être capable de mener notre produit plus loin, ben on s'est dit que voilà, faire la place belle à un groupe suédois qui aujourd'hui a réussi, lui, à lever 40 millions d'euros, c'était une option plutôt viable pour tous.